la direction de la lecture publique et des bibliothèques et le service de lecture publique du département de la Moselle. Sa mission principale est de faciliter l'accès de tous les Mosellans aux livres et à la lecture, et plus largement à l'information et la culture au plus près de chez eux. Le département, en tant qu'interlocuteur privilégié de toutes les collectivités de Moselle, a choisi de mettre en œuvre une politique d'accompagnement des bibliothèques. 154 communes et intercommunalités font ainsi partie du réseau départemental Mosellia, dans le cadre d'une convention de partenariat qui leur permet d'accéder à des services de proximité territorialisés. Ce réseau est animé par près de 900 bénévoles et plus de 250 salariés qui s'engagent au quotidien pour faire vivre le livre et la lecture auprès des Mosellans. Ces services de proximité sont accessibles à partir de 5 pôles départementaux situés à Bitche, Créange, Metz, Nilvange et Dieuze, ainsi que d'un pôle associé situé à la médiathèque de Sarreguemines. Depuis octobre 2021, la médiathèque de Nilvange est devenue départementale. Cas unique en France, les agents des services territoriaux de Créange et Bitche participent également au fonctionnement des médiathèques municipales et intercommunales. Cette double mission permet aux agents départementaux de partager les mêmes problématiques que les équipes qu'ils accompagnent. La DLPB réunit une équipe de 39 agents répartis sur les services territoriaux et transversaux et qui sont mobilisés aux côtés des bibliothèques pour valoriser, soutenir et accompagner leurs actions. Les services départementaux de la DLPB interviennent pour accompagner les collectivités dans la gestion et le développement des bibliothèques par des services diversifiés. Avec près de 250 000 euros consacrés chaque année à l'achat de documents, la DLPB met à disposition des bibliothèques et des établissements partenaires de nombreuses ressources. La DLPB possède en effet plus de 300 000 documents sur tout type de support. Elle propose également des outils d'animation prêtés gratuitement aux bibliothèques ainsi qu'aux établissements partenaires. Ces ressources sont disponibles dans les 5 espaces de choix dans lesquels les bibliothèques sont accueillies 2 à 3 fois par an pour effectuer des renouvellements. Des réservations peuvent également être effectuées sur le portail Mosellia. La Grande Réserve départementale est un centre de ressources accessible grâce au portail Mosellia. Elle vient en complément de l'offre territorialisée et peut faire l'objet de réservations. Une charte documentaire fixe les grands principes de développement et de gestion des collections. Elle permet de proposer une offre pertinente et adaptée au public de chacun des 5 territoires de lecture. Enfin, la DLPB soutient les communes dans le développement et la mise à jour de leurs propres collections par le versement de subventions. Chaque année, la DLPB organise des formations professionnelles destinées au personnel des bibliothèques du réseau. Depuis la récente crise sanitaire, de nouvelles modalités d'organisation ont également vu le jour avec l'organisation de certaines formations à distance. La professionnalisation des équipes des bibliothèques est également développée grâce à l'organisation de journées de rencontres et d'échanges, comme à l'occasion du Congrès départemental des bibliothécaires du réseau de lecture publique, qui réunit chaque année environ 250 personnes. Pour soutenir les bibliothèques dans leur gestion quotidienne, 19 référents de territoire apportent leur expertise en assurant une mission de conseil et d'accompagnement. Ils interviennent régulièrement auprès des bibliothèques pour fournir leur aide technique. Tout au long de l'année, la DLPB coordonne des événements et manifestations culturelles afin d'associer le réseau des bibliothèques et toucher les publics prioritaires du département. Des actions qui fédèrent l'ensemble du réseau. Des actions ciblées sur les 5 territoires sont également proposées avec le développement de projets en partenariat avec les sites Passionnément Moselle, le Festival de littérature Le Livre à Metz et les écoles de musique. Des actions en direction des publics prioritaires sont organisées, comme par exemple la manifestation Esprit Libre ou le concours de lecture Mosellire.
Afin de répondre aux besoins croissants des publics, le département développe une politique ambitieuse autour du numérique avec l'accès à des ressources en ligne mises à disposition des bibliothèques à destination de leur public. Un dispositif d'accès à ces nouvelles ressources départementales est en cours de déploiement. Le département a fait l'acquisition d'une microfolie. Ce dispositif, proposé par le ministère de la Culture et le Parc de la Villette, permet d'offrir au public un espace innovant, décliné autour d'un musée numérique, d'un Fab Lab, d'un espace de réalité virtuelle et d'une ludothèque. Mosellia, le portail numérique de la lecture publique, permet à tous les Mosellans et les professionnels des bibliothèques de rechercher et localiser des documents parmi un catalogue en ligne. Sur Mosellia, on peut également suivre l'actualité des événements programmés par les bibliothèques tout au long de l'année, s'abonner à la lettre d'information, écouter des podcasts ou encore accéder aux offres d'emploi disponibles dans les bibliothèques de Moselle.